Salut, salut les termes, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ah, chez moi, je vais très bien. Ah. Bienvenue sur la nouvelle vidéo. Ah, Isbeth. Voilà, aujourd'hui, je suis là pour une faille de esport, précisément une faille de FIFA 18 penalty, en même temps FIFA 22 penalty. Voilà, c'est comme si la faille marche sur tous les deux FIFA. Tous les deux FIFA. Savoir FIFA 18 penalty et FIFA 22 penalty. Voilà, donc la faille marche vraiment à merveille. C'est vraiment facile à faire, à reproduire, à jouer. Donc il va falloir rester attentif au cours de la vidéo, voilà, et de vous abonner et activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Voilà, restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer de détails dans cette faille. Voilà, car FIFA Penalty est beaucoup fréquenté par les joueurs. Donc ici, on va venir ici, Isbeth, sur notre Isbeth. Voilà, la faille marche à merveille sur FIFA 22 Penalty. Voilà, là, je me suis connecté sur mon petit compte. Voilà, donc ici je vais pas miser gros. Voilà, donc ici la faille vraiment ça marche à merveille. Donc pour retrouver FIFA 18 penalty ou FIFA 22 penalty, vous allez venir là, vous allez cliquer ici sur menu, vous allez cliquer sur menu, vous allez cliquer sur e-sport ici, ensuite e-sport virtuel. Ensuite encore, vous allez cliquer sur plus. Vous allez cliquer sur FIFA. Quand vous allez cliquer sur FIFA, vous allez cliquer encore sur plus. Voilà, quand vous allez cliquer sur plus, voilà, je vous conseille d'activer le favori. Ici, vous allez activer un favori pour retrouver plus facilement les deux esports. Donc vous allez cliquer là, et quand vous allez venir là, vous cherchez le jeu, vous allez juste cliquer sur favori ici, favori, et vous allez venir ici dans championnat. Championnat, voilà, voici les deux jeux là, jeux favoris. Donc ici, on va venir ici d'abord dans FIFA 18 Penalty. Ici, nous constatons qu'il y a des matchs en cours. Il y a un match qui vient, voilà, un match en cours, et il y a des matchs qui sont en attente. D'accord. Le match qui est en cours ou le match qui est déjà fini, nous n'avons rien à faire. Donc, nous allons vérifier les matchs qui sont en cours. Nous allons vérifier les matchs qui sont en cours et nous allons faire une petite remarque à quelque part. Donc, je commence. Si je retrouve, je vais vous faire signe et on va expliquer. Ici, la phase se trouve au niveau des total 1 et total 2. La phase se trouve au niveau des total 1 et total 2. Vous allez cliquer d'abord sur total 1. Si vous voyez ici, total plus de 1, 50, bon, laissez tout ça. Si je vois, je vous fais signe. Est situé au niveau des total 1 et total 2. Ici, je fais là, je n'ai pas, ça n'est pas ici. Si, voilà, ici, c'est présent. Vous voyez ici. Je vais vous faire la différence. Je vais faire la différence. Vous voyez là. Vous voyez là. Ici. Ici, pour total 1, ils ont proposé que à partir de total 1,50. Ils ont proposé à partir de total 1,50 qui est code 1,02. Ici, ils ont proposé total 1,50, mais c'est bouclé. Voilà que c'est bouclé, code de 0,00, et on voit que c'est évident, total 2 va faire forcer à un but d'abord 0,50. Voilà, donc, quand ils ont bouclé ça, ils ont sauté immédiatement 1,50. Ils ont sauté immédiatement 1,50. Voilà, ils se sont retrouvés à 2,50. Voilà, quand ils sautent immédiatement 1,50, ils se retrouvent à 2,50. Voilà. Facilement, rapidement, vous prenez total 2. Quand c'est pour la partie total 2, vous prenez victoire de l'équipe 2.
Voilà, vous prenez victoire de l'équipe de Sabah rentrée. Voilà, vous avez compris. Si c'était ici en total 1, on allait prendre victoire 1. Je vous explique encore. Ici, on voit qu'ils ont proposé à partir de total 0,50. Ils ont bouclé. C'est la première remarque. Ils ont bouclé, c'est la première remarque. La deuxième remarque est que normalement, quand on propose 0,50, il faut le suivant. C'est 1,50. Mais ici, on voit que ils ont sauté 1,50 et immédiatement, ils sont partis en 2,50. Donc, là, on s'est dit que c'est vraiment quelque chose d'anormal. Vous voyez ici qu'ils ont commencé à 1,50, le suivant a été 2,50, ce qui est logique. Donc, ici, ce n'est pas logique. Donc, immédiatement, moi, je prends V2. Ici, je prends V2. Ici, moi, je prends V2. Vous voyez. Donc, ah, à quel moment j'ai parié sur ça? Bon, pas grave. Donc, ici, voilà. Donc, ici, automatiquement, on prend V2. Et puis ça rentre, je veux dire ça rentre. Voilà, ça marche facilement. Donc, c'était la faille du jour où vous ne voyez pas de coïncidence. Vous laissez tomber ça. Comme ici, par exemple, il n'y en a pas. Ici aussi, il n'y en a pas. On peut retrouver cette faille aussi en FIFA 22, hein. Mais c'est pas à tout moment qu'on retrouve la faille. Donc, c'est à des moments rares. Et ce moment rare là, ça marche. Voilà, et ce moment rare là, ça marche. Donc, il faut vraiment prendre du temps ou être patient, voilà, pour pouvoir retrouver la faille. C'est pas partout que ça marche, mais ça marche partout. Mais c'est pas partout que c'est présent en fait. Voilà, vous voyez la famille. Donc là, merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Donc, on se retrouve prochainement pour une nouvelle phase de e-sport. Merci à tous et à toutes. Ouais, les termes, voici le compte. Voici les deux coupons. L'affaire que je viens de faire tout à l'heure vient d'être validée. Ouais, l'affaire que je viens de faire tout à l'heure vient d'être validée. Je crois que c'est celui-là. Voilà, voici ça. Vidéo où j'ai dit que vous voyez la coïncidence. Voilà, voici, c'est ça a été payé. Et c'est un coupon, voilà, que j'ai fait aussi. C'est ça. Ça a été payé. Voilà, donc, merci à tous d'avoir suivi la faille. Et passez dans la description pour prendre le lien de mon groupe Telegram dans la description. Voilà, pour vous abonner et activer la cloche de notification. Voilà, donc, ciao. À tout à l'heure pour une nouvelle faille de FIFA 22 Penalty.